Du coup, nous revoilà. Et on va lancer enquête sur le culte. Contact à Coronet. Visitons quelques cantinas locales et voyons ce qu'on récolte. Nous allons aussi suivre ceux qui nous ont signalé l'existence de ce culte. Ça ne va pas se passer comme ça, Kyle. Il faut que je te le dise, ça ne va pas se passer comme ça. On va utiliser la poigne, parce que je crois que c'est la première mission où on peut s'en servir pour faire des choses drôles. Mais je ne suis pas sûr. Une mission plutôt intéressante, je trouve. C'est dommage qu'il n'y ait pas de compte à rebours. Diane tape le wicket en plein. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes attaqués. Quelqu'un essaie de faire sauter le tram. Ce message provient du tram cargo, là en bas. Ils se font attaquer. Quelle heureuse coïncidence, nous sommes là pour les arrêter. En fait, on n'est pas Jedi, on est anti-terroriste. Faut pas croire qu'on est Jedi. Tout ce qu'on fait, nous, en fait, dans le jeu, c'est arrêter les terroristes. Allez à l'avant et détruisez toutes les voitures. La porte est fermée. Pour ne pas vous faire prendre par surprise. On va donc passer par le toit du train. Non, t'as rien entendu. De toute façon, t'as plus de tête. Ah, ils font mal. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, encore ces 3 PO. Attends, faut que je tue ces 3 PO. Attends. Ah, ah, malveillant. Je vais mourir. On a déjà perdu tout son bouclier alors que c'est les deux premiers ennemis qu'on rencontre. Mais des fois ils meurent pas, c'est relou. Faut que les gens meurent, c'est mieux. Ah voilà, il fallait éteindre ça. Comme ça on va pouvoir passer au wagon suivant. Suivant. N'est-ce pas passionnant? Je crois que dans cette mission, on affronte un site, mais je suis pas sûr. On va voir. Apparemment elle aime pas trop la pluie parce qu'elle a vraiment besoin de se cacher la gueule, tu vois. Ah non, de l'eau, pas ça sur moi, c'est tellement horrible, oh là là. Bah oui, parce qu'en fait notre maître Jedi, il a envoyé encore une fois son padawan faire le sale boulot. Donc lui, il est dans son vaisseau, il nous regarde. Mais normal, hein. Oh, y'a un sniper là. Ouais, c'est bon. Oula. Allez. Ça tremble, hein. Je sais pas si vous. Oh. On va charger le checkpoint parce que je crois que j'ai pas fait de sauvegarde automatique. Ok, donc on va charger la sauvegarde. Oh, please. Ok, d'accord. Non, on va pas faire ça. Ah putain, j'ai fait aucune sauvegarde depuis le début de la game. Enfin, depuis le début de l'émission. Oui, je sais, je... Oui, il tape le UK dans, en plein dans ton cul. C'est très bien dans ton cul. Mais tu m'as pas vu. Il m'a vu. Ah, cette fois, il m'a vu. Ah, d'accord, on va mourir sur le premier mob. Voilà. J'ai pas fait de sauvegarde, évidemment. Charger le checkpoint, c'est pas grave. Oui. Oui, voilà. Il a tapé le UK dans ton cul, on sait. Mais comment tu m'as vu? Pourquoi la première fois tu m'as pas vu? Toutes les autres fois tu m'as vu? Voilà, on s'en prend aux gens à terre et faibles. Faisons une sauvegarde. J'ai fait un chargement rapide au lieu d'une sauvegarde rapide. On va donc recommencer la mission encore une fois. Mais vous en faites pas, tout ceci est exécuté par un professionnel. Et dans ton cul, on sait. Allez, on y retourne. Ah, cette fois il m'a pas vu. Non, t'as rien entendu. Voilà.
On va récupérer son arbalète. Ah non, on a déjà une arbalète en fait. Comment ça s'éteint? Comment ça s'éteint? Bah je sais pas. On va activer le robot. Attends, c'est important d'activer le robot, voilà. Ah d'accord, là t'es pas mort, d'accord. Et voilà. Ah là là, c'est génial. On va faire une sauvegarde auto quand on aura passé la plateforme. Comme ça, on en aura fini avec le début de l'émission. Alors, il s'agit de pas se casser la gueule. Voilà. Ah d'accord, ok. Oh là là, mais tu galères ma pauvre vieille, hein. Voilà, sauvegarde rapide. Voilà, notre pote qui fout rien, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hop, les... On va tuer le sniper en priorité. Hop, saut sur le côté, parfaitement maîtrisé. On n'a pas du tout failli se casser la gueule et mourir dans notre souffrance et une chute sans fin. On y retourne. Je réussirai ce saut de côté par contre, ça c'est... Voilà. Donc elle a pas fait l'animation mais j'avais un saut de côté, c'est pas grave. Voilà, on va tuer notre pote qui est parti se cacher, il était plus près que ça tout à l'heure. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis mauvais des fois. Deux fois de manière générale, en sens. Ah ben voilà, il y a notre copain site. Ok d'accord, je pensais qu'on pouvait casser la vitre mais apparemment pas. Et là c'est le moment où tu viens de te rendre compte que t'as pas... Ah. On va mettre son sort quelque part quand même. On va le mettre sur F. Voilà. Et on va faire tenter un truc par là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, bon, il a cassé la vitre. Bon, c'est pas grave. Nous avons donc échoué lamentablement dans la quête de balancer ce site à travers par-dessus le train. C'est très décevant. Mais t'arrêtes de me taunt. Mais t'es sérieux? Là, on va me dire que je lui ai pas tranché le bras. Vraiment. Voilà! Clairement, le mec, tu lui tranches le bras, ça le tue pas, mais tu tapes à côté, ça va. Là, j'étais AFK, c'est normal. Je suis comme ça, je suis capable de être AFK devant un ennemi qui me tire dessus, c'est pas grave. Oh là là! Oh là là! Mais enfin, bref. On peut pas sortir? On peut pas sortir ailleurs qu'en passant par là. D'accord, donc il va falloir casser la vitre. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Elle avait une animation bizarre, j'ai pas trop compris. Est-ce qu'on va réussir à sortir de là? Voilà. Et tout ça pour redescendre en plus, c'est pas génial. Il y avait un type sur le côté tout à l'heure, j'aimerais bien aller le tuer. On peut pas remonter? Je suis bloqué? Non, si on peut remonter quand même. Voilà, on peut remonter. Je vais aller tuer ce type là-bas. Voilà. Ça comptait pour moi de ne laisser personne derrière. Apparemment on a failli se manger un éclair dans la bouche. Et on y retourne comme s'il ne s'était rien passé. Ouais mais t'es sérieux quoi, j'ai pris des dégâts en tombant alors que j'avais pas d'autre choix. J'aurais pu faire une... Revenez ici, ça implique que j'étais là à un moment. Or, je viens d'arriver pour la première fois de ma vie. Ça n'a donc aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tuer des gens quand même en 2015? Oh, je vais mourir. Je vais tellement mourir. Il va me tuer. Non, ça va.
Le jeu a lagué parce que c'est pas normal qu'il m'ait pas tué en fait. Y'a un sniper en face là? Il faut que j'arrête de descendre comme ça en fait, je me tue en fait en faisant ça. Ah oui, je me souviens, il faut passer à l'intérieur. Ok, la porte est de l'autre côté en fait. Ah, peut-être pas en fait. Oh non, on peut passer comme ça. Non mais le jeu il rame, des fois de manière random, c'est embêtant. Mais t'es sérieux, le mec il me tente alors que je suis mort. Putain, je perds beaucoup trop de PV en tombant comme ça. On va passer de l'autre côté. Allez. On va passer de l'autre côté. Normalement il y a une porte. Ah mais pas du tout en fait, j'ai pété un câble. Hein. Ah mais il y a zéro porte de l'univers. Hein. Non, il te reçoit plus maintenant. Voilà. Ça, c'est un monte charge. Mais il meurt pas, ce con. Tu lui mets 50 blasters dans la gueule, il meurt pas. On va mourir là, je le sens. Voilà, comme prévu. De toute façon, on meurt dès que je le sens. C'est pas du tout l'inverse qui se passe. Ah bah oui. Déjà on passe pas parce que l'ascenseur redescend avant qu'on ait pu monter. Ah là, mais comment passer? Je me demande vraiment comment est-ce qu'on pourrait passer. Ah, le bouton, qui fait à peu près 5 mètres de diamètre, est cassé. Il y a des étincelles. Quand il y a des étincelles, ça veut dire que c'est cassé. Voilà. Ouh là là, c'était dur comme technique. Là, on pourrait croire que je suis parti en courant. Mais la vérité, c'est que j'ai un plan stratégique pour y retourner sans prendre aucun dégât. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je vais prendre absolument aucun dégât pendant cette phase de gameplay. Et voilà! 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 Allez, prends pas de dégâts! Prends pas de dégâts! On a récupéré des mines, ça ne sert à rien. Par contre, faut m'expliquer pourquoi il y avait deux mecs enfermés avec 50 milliards de munitions. Genre, les mecs qui se sont enfermés avec les munitions, ouais, non, vous les volerez pas, si vous les dévoler, bah, il faudra passer sur le corps. On va casser la vitre, parce qu'on est des hooligans. Il essaye de nous tuer notre pote là ou ça s'est passé comment? Et les gens nous détestent dans ce jeu en fait, ils veulent nous tuer tout le temps. Oh merde, c'est un sniper! Je croyais que c'était un site. Il me faisait un duel du regard de loin, mais en fait non, c'est un sniper. La question c'est est-ce que je vais mourir en boucle à cet endroit là parce que j'ai sauvegardé au mauvais endroit? Bah apparemment non, c'est bien. Donc on va re-sauvegarder. Et on y retourne. Ah ça vibre, hein, c'est impressionnant. Ah c'est pas avec une PS4 que vous auriez ce genre de sensation. Vous. Oh l'esquive. Alors autant faut me respecter pour ce que je fais, autant faut respecter ces gens qui arrivent à ne pas mourir d'un coup de sabre laser dans la gorge. Je vais mourir. Non. Je crois que j'ai plus que deux pièces et puis on sera bon. Il y a encore une bombe à désactiver dans cette mission. Visiblement, les terroristes sont fans de bombes. Attention, un intrus. Hein, mais. Impossible de s'échapper, le mec. Alors qu'en fait, pour de vrai, j'appelle Kyle, il vient me chercher en vaisseau spatial, je me casse, on m'en bat les couilles.
Après, il y a des millions de morts, mais ça, c'est un détail. Merde, oh putain, le con. On peut plus manger des pommes peinards, quoi. Non, mais moi aussi, je sais le faire. Ok, je sais pas le faire, pas encore. Et voilà, et bam, et bam. Et bam. Oh putain, je sens que je vais mourir. On va l'écraser, voilà. Et, bah non, j'ai pas fait l'animation. Ouais, reste à terre, reste à terre. Et voilà. La meilleure technique contre les premiers sites, c'est de leur marcher dessus, littéralement. Tu leur sautes dessus, les mecs sont à terre, ils peuvent plus rien faire, ils se défendent même pas. Bon, désactivons cette bombe. Ce n'était pas si dur. Ok, mission accomplie. Mauvaise nouvelle, Jadon. Le tram accélère. Je crois qu'il va rentrer dans la station. Ah merde, mais j'étais plus en train d'appuyer. De commande et arrêtez ce train. Oui, chef. Il est pas mort. Je suis parti en mode il est mort, c'est bon, je peux m'occuper du suivant, mais il était même pas mort en fait. J'ai envie de faire un truc. Mais ça marche pas ou quoi, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça marche plus? Ça me déçoit un peu. Peut-être au level 1, je peux pas le faire en fait, il faudrait que je sois au level 2. Ok. Et je vais sauvegarder après avoir celui-ci quand même. Ok, mission accomplie. On est large, on est large. Nouvelle, Jadon. Le tram accélère. Je crois qu'il va rentrer dans la station. Allez à la cabine de commande et arrêtez ce train. Je sais pas où vous habitez ou s'il y a un tram dans votre ville. Mais moi personnellement, si le tram de Toulouse il va trop vite, je pense qu'il y a personne qui meurt. Même pas les gens qui sont dedans en fait. Après, je vois, c'est un tram de l'espace, donc je pense que ça fait un peu plus de dégâts. Sauvegardons. Voilà, hop, on saute. Les arbalètes Wookie, c'est vraiment de la merde, je vous expliquerai pourquoi. Enfin, je vous montrerai pourquoi juste après cet affrontement, en fait. Il y a un sniper derrière, là. Je vais mourir, c'est obligé là. Voilà, alors comme c'était obligé, je suis pas mort parce que fuck les jeux. C'est un site là-haut. Bah il a pas dû apprécier. Je vais mourir. Je crois que je l'ai tué. Ouais. On va recharger sa vie, on va fonder le site vite fait. Et puis ça sera la fin de la mission normalement. Faut 20 points de force minimum pour commencer à régénérer sa PV, je crois que c'est 5 HP par tranche. Genre ouais, avec 20 points de force tu régènes 5 HP. C'est vraiment de la merde. Ce qui est marrant avec les vieux jeux, c'est que genre en général, augmenter la difficulté ça se résume à avoir moins de vie. Ou avoir des pouvoirs moins puissants. Genre c'est pas les IA qui s'améliorent, c'est juste toi qui... Mais je viens de voir, pourquoi tu t'en vas? Ok, on a bien fait de sauvegarder. On a peut-être mieux fait de sauvegarder une fois qu'on était full life en fait. Parce que là on va attendre, recharger sa vie. Alors que je pense que ça sert à rien parce qu'on se ferait one shot par le sabre laser en fait. Voilà, on sauvegarde et on y retourne. Je t'attends. Ils sont impossibles à tuer aux armes. Mais j'avais déjà une arbalète. Ils sont impossibles à tuer avec les armes de distance, les sites. Même les Padawan sites, ils sont impossibles à tuer à distance. Sur les mecs. J'ai essayé de le pousser, ça n'a pas marché. Le mec, j'essaie de l'étrangler, il rigole de moi. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va te tuer avant ton patron là.
pas terrible. Mais mec, il est immunisé à mes poignes. Voilà. Et je jette ton cadavre par le train. Ce mec avait envie d'une mort spectaculaire, il a fait comme il le sentait. Bon, là j'ai sauvegardé, mais c'est la fin de la mission pour de vrai. Genre là, je range mon sabre laser parce que c'est la classe. Et j'appuie sur le bouton et c'est fini. C'était moins une. Beau travail, Jaden. Je me suis occupé de ce vaisseau. La voie est libre maintenant. Ah, lui s'attaquait au vaisseau avec son vaisseau spatial. D'accord. Excellent travail sur le tram. On a eu de la chance de vous avoir. Si ce tram avait explosé en ville, il aurait tué des milliers de gens. Des milliers de gens. T'as vu ça un peu? Des milliers de gens. Moi, bien joué, Jaden. Ah voilà. Il est important pour vous de passer au niveau supérieur d'entraînement. Comme j'ai dit dans un des premiers épisodes. N'oubliez pas que chaque mission vous permet d'en apprendre plus sur les Jedi. En fait, le jeu, il te propose de soit passer à la mission suivante. Sur la mission suivante, c'est la cinquième que t'as pas faite, en fait, parce que comme j'ai dit, tu peux en faire que 4 si tu veux. Soit tu rentres à l'académie et tu vas débloquer 5 nouvelles missions. Ça, c'est bien ce qu'ils ont fait parce que déjà, les gens ils ont le choix de se dire est-ce que je level up encore ou est-ce que je passe à la suite du scénario. Et en plus de ça, comme je l'avais expliqué, en fait, il y a une mission toujours avec un monstre. Et quand t'as un petit enfant, la mission elle fait peur quand même. Du coup, moi je la faisais jamais quand j'étais petit. Mais maintenant, je suis un grand garçon donc je vais faire la mission. Mais rien que pour vous. Donc on va faire ça dans l'épisode suivant. Adieu.